Mon père est né au Maroc, dans une région de montagne qu'on appelle Taounet. Ma mère aussi est née au Maroc. Ils se sont rencontrés et je suis née. Puis, mon père a eu un cancer. Et ensuite, mon frère est né. On lui a fait une opération à ce moment-là, dans le cou. Je crois que c'est à cause de ça qu'il devient aveugle. Je l'aide souvent à retrouver ses affaires. Il y a à peu près 3 ans, il est parti pendant des petites vacances dans sa famille au Maroc. Il est allé aider mon oncle à mettre une éolienne dans son nouveau poulailler. Ils sont allés dans la montagne voir mes grands-parents et la voiture a raté un virage. Mon père a été blessé au dos et a été obligé de mettre un corset. On fait attention à ce que mon père ne se baisse pas et ne porte rien de lourd. Le soir, il est fatigué et reste dans le canapé. Il dort beaucoup. On doit rester calme pour qu'il se repose. Parfois, il regarde de vieux films. Maman fait toujours très attention à mon père, un peu comme avec nous. C'est comme si elle avait 3 enfants. On les protège tous et je vais devoir l'aider de plus en plus. Il peut faire à peu près la même chose que les pères de mes copains, mais parfois il se force pour me faire plaisir.